Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, en tout cas au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Et dites-nous quelle ambiance prévaut ici aujourd'hui. Merci, monsieur. D'abord, je dois vous dire que nous ne sommes pas surpris de cette date. C'était déjà programmé. Je voudrais d'abord présenter le centre de formation professionnelle de Matoto, qui est composé de 6 filières. Nous avons la mécanique automobile, nous avons la soudonnerie, la menuiserie, ébénisterie, la plomberie, et la maçonnerie et l'électricité du bâtiment. Et nous évoluons dans 2 approches pédagogiques, à savoir la PPO, pédagogie par objectif, et l'APC, approche par les compétences. Les filières qui évoluent dans PPO sont la mécanique auto de la première en troisième année et la soudonnerie était également dans cette approche, mais à partir de cette année, les 3 promotions aussi se trouvent dans l'APC, approche par les compétences. En ce qui concerne la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie et l'électricité étaient déjà dans cette approche. Et le cycle de formation est de 3 ans pour la menuiserie, la mécanique auto et la soudonnerie. Et les 4 autres, autrement dit la plomberie, la maçonnerie, l'électricité et la plomberie ont un cycle de 2 ans. D'accord, l'effectif c'est combien? L'effectif, puisque pour le moment nous avons 2 promotions, la deuxième et la troisième année. Alors, la deuxième année a un effectif de 319, dont 11 filles. Et la troisième année, un effectif de 88, dont 2 filles, soit un effectif total de 407, dont 13 filles. Et ces 2 promotions, ce sont les filières que vous venez de citer? Oui, nous avons la deuxième et la troisième année mécanique, deuxième, troisième année soudonnerie, deuxième et troisième année menuiserie. Les 4 autres options, nous avons seulement la deuxième année parce que c'est 2 ans de formation. D'accord, donc au total vous avez... Total nous avons 407 élèves dont 13 filles. D'accord, et aujourd'hui c'est la rentrée, oui. Quand même, mais on voit qu'il y a un calme ici et on ne voit pas pratiquement d'élèves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à ouvrir les salles de classe aujourd'hui ou quoi? Nous sommes prêts. Mais vous voyez, vous avez vu tous les membres de la direction. Au nombre de 6. Vous avez vu aussi les professeurs, quelques professeurs. Ce sont des professeurs du jour, ceux qui doivent réellement avoir des cours aujourd'hui. Au nombre de combien? On n'a pas fait d'abord la citation parce que ça, c'est les professeurs de la première paire. Parce que ceux qui ont cours, par exemple, de 12h à 14h, ils ne sont pas là, mais les professeurs de la première paire sont là. Environ combien? Nous avons une dizaine. D'accord, mais ils sont prêts, mais les élèves apparemment ne sont pas prêts. Voilà, les élèves, la direction est prête, les professeurs sont prêts, mais... Les élèves ne sont pas à fin prêts parce qu'ils ne sont pas en grand nombre. Donc, c'est-à-dire que peut-être c'est le manque d'information ou autre motif que je ne peux signaler ici. D'accord. Mais aussi, comme vous le constatez, vous le voyez, notre école est en rénovation. Vous voyez, tous nos bâtiments décoiffés. Il y a le problème de salle de classe.
Les élèves sont venus, quelques-uns sont là, ils ne savent pas où ils doivent étudier. Parce que les salles ne sont pas prêtes. Les salles sont en rénovation, les ateliers sont en rénovation. Nous n'avons que 6 salles de classe pour les cours théoriques. Et plus maintenant, les ateliers. Mais nous avons les ateliers de mécanique qui sont en rénovation, décoiffés. Les ateliers, un atelier de la sodonnerie décoiffé. L'atelier de l'électricité décoiffé, plus maintenant le laboratoire d'électrotechnique. Donc vous pensez, pensez que c'est un peu lié à ces travaux de rénovation? Ah bien sûr. Le peu d'engouement qu'il y a. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Parce que nous serons obligés, il y a aussi cette maladie qui est là. Il faut respecter la distanciation sociale. Déjà, nous sommes prêts dans ce domaine, puisque nous avons des masques en quantité suffisante, nous avons des kits, nous avons reçu également des savons Jama pour le lavage des mains et le port des casques, des masques, pardon, et par les élèves et par les professeurs. Alors, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour pouvoir accélérer les travaux de rénovation afin que les élèves puissent justement avoir accès à leur salle de classe et, bon, et les ateliers? Merci pour cette question, mais elle est plus forte que moi. D'accord. Puisque c'est une société qui travaille ici. Les travaux, il y a un délai d'exécution pour ces travaux de 8 mois. Vous voyez? Alors, ce n'est pas nous qui décidons. Et nous, ça... on travaille pour nous. Après, les travaux, on reçoit et on les utilise. Mais la décision ne vient pas de nous, ça c'est le département. C'est un projet. D'accord. Et normalement, les travaux devaient prendre 5 ans. C'est 8 mois. Le délai d'exécution est de 8 mois. Oui, ça a commencé quand? Ça a commencé au mois de septembre. Hein? Septembre. Oui, et les 8 mois là, ça va tomber sur quel mois de l'année scolaire? Ça c'est vers la fin d'année. Hein? Avril, oui. Avril-mai. Bon, oui. D'accord. Alors, nous sommes obligés d'organiser d'abord, si on avait 7 groupes, 15 groupes pédagogiques avec les effectifs pléthoriques, il faut scinder ces effectifs-là en deux. Et faire les cours matin et soir. Un groupe matin, un groupe soir. Et ça, quand on scinde les groupes pédagogiques, automatiquement, on double les charges des professeurs. Et c'est ce que vous ferez, puisque les travaux... On est obligé de le faire. On a terminé l'année avec ça et nous allons continuer avec le même système. D'accord. Merci, M. Camara. Ou bien vous avez un dernier mot, peut-être un appel aux élèves? Bon, je demanderai aux élèves et aux parents d'élèves que l'école a ouvert ses portes au centre de formation professionnelle de Matoto. Nous sommes là pour eux. Et nous sommes conscients que au niveau de l'APC, approche par les compétences, il y a des modules qu'on n'a pas pu terminer l'année dernière. Et cette année, on donne la priorité à ces modules. Il faudrait que ces modules soient achevés avant qu'on programme les modules de deuxième année. Donc, ils n'ont aucun intérêt de rester à la maison alors là. Ils doivent être là, les professeurs sont prêts, la direction est là, prête pour le démarrage des cours. Sinon, tous les documents sont là, les documents sont prêts. Nous avons les registres d'appel, les cahiers de texte et les emplois temps.